Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Gonzalez The Gamer. Je suis Gonzalez. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo de présentation de champion. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit nain nommé Rempart. C'est un personnage rare. Où es-tu? Ici. Ok. C'est un nain rare défensif. C'est un excellent personnage pour le boss de clan. Et nous allons voir ici pourquoi. Alors nous allons commencer avec son skill numéro 1. Attaque deux fois un ennemi. Chaque frappe possède 15% de chance de placer un debuff d'affaiblissement de 15% sur deux tours. Alors c'est le petit debuff d'affaiblissement. Néanmoins, c'est un debuff d'affaiblissement quand même. Donc qui va aider vos autres alliés dans votre équipe à faire un petit peu plus de dommages. Avec des livres, nous pouvons l'augmenter à 30% de chance. Et ce qui est bien avec ce personnage, c'est un personnage rare, donc coûte très peu cher en livres et très peu cher en potions. Son skill numéro 2, attaque un ennemi, possède 75%, peut être amené à 100% de chance de placer le debuff de brûlure de PV pour 2 tours sur l'ennemi. Donc il apporte avec lui le petit debuff d'affaiblissement. Et il apporte aussi le debuff de brûlure de PV. Ce qui est quand même très bien pour un personnage rare. Et nous allons voir ici pourquoi il est reconnu comme étant un excellent personnage pour le boss de clan. C'est son passif défense punitive. Lorsqu'il y a une attaque, possède 30% de chance d'augmenter d'un tour la durée de tous les debuffs de l'assaillant. Donc, en gros, à chaque fois que le boss de clan attaque, il possède 30% de chance d'augmenter de 1 tour la durée de tous les debuffs qui sont sur le boss de clan. Sachant que souvent, le boss de clan va attaquer deux fois tant qu'il attaque en AOE, tant qu'il fait son attaque de zone, souvent il va attaquer deux fois. Donc, ça peut nous apporter à une chance de 60% d'augmenter les debuffs ou 30% d'augmenter de deux tours les debuffs de l'ennemi. Donc, skill très 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 bien pour le boss de clan. Très fort, j'ai vu ce personnage sur des équipes Ultra Nightmare, Ultra Cauchemar. Je l'ai vu sur des équipes dans tous les boss de clan, à partir du facile à aller jusqu'au ultra cauchemar. Ce personnage est un très bon personnage. Encore une fois, c'est un personnage rare, un personnage de défense très important ici. Défense rare, donc très peu cher à monter, très peu cher à skill up et très peu cher à perfectionner. Il a aussi une aura de défense de tous les alliés dans toutes les batailles de 17%. C'est pas une grosse aura de défense, mais c'est une aura de défense qui peut quand même aussi aider sur le boss de clan. Si vous n'avez pas une aura de défense, cette aura peut très bien aider aussi. Donc voilà, c'était le rempart. C'était un personnage très 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 bien. Vraiment très peu dispendieux. C'est sûr qu'il est peut-être un petit peu plus compliqué à avoir car c'est un personnage du néant, donc il provient des éclats du néant, donc peut-être un peu plus dur à avoir, mais si vous, jamais vous avez ce personnage rempart, ne l'utilisez pas comme food, gardez-le car ça va être c'est un très très bon personnage pour le boss de clan. En dehors de, mettons, si vous avez, c'est sûr que si vous avez un vizir, vous allez utiliser votre vizir pour le debuff extend et non un rempart. Mais pour les personnes qui n'ont pas la chance d'avoir un vizir pour augmenter les debuffs de l'ennemi ou quel que soit autre personnage, il y a aussi des Déchirchères qui peut faire la même chose. Et il y en a un ou deux autres aussi qui peut faire la même chose. Nous allons les voir dans d'autres vidéos. Mais si vous n'avez pas la chance d'avoir un légendaire comme Vizir pour allonger la durée des debuffs sur le boss de clan, Rempart
peut très bien faire le travail et il peut très bien aussi se débrouiller, aller jusqu'au boss de clan Ultra Cauchemar. Donc c'est pas un guide pour Rempart, c'est comme c'est mes vidéos de présentation. Donc je présente le champion et je dis sur quoi le champion est bon. Rempart ne peut pas vraiment être utilisé ailleurs que sur le boss de clan. C'est un personnage exclusif pour le boss de clan. Peut-être dans la crypte des nains, dans les gardes de faction, des choses comme ça. Peut-être servir en donjon aussi un peu, mais vraiment sa spécialité première, c'est le boss de clan. Et c'est un très bon personnage pour le boss de clan. Il offre l'affaiblissement, il offre la brûlure de PV. Et il offre aussi la possibilité d'allonger les debuffs sur l'ennemi à chaque fois qu'il se fait attaquer. Donc, si vous pouvez le mettre en lead et vous arranger pour que quand que le boss attaque son single target, il attaque Rempart, vous avez encore plus de chances d'allonger les debuffs de l'ennemi. Alors voilà, c'était une petite présentation rapide de Rempart. Très bon champion BDC. Et sur ce, je vous demanderai de veiller, mais j'apprécierais que vous laissiez un petit pouce bleu et que vous vous abonniez à ma chaîne pour m'encourager à faire toujours plus de vidéos et à recevoir des notifications sur mes prochaines vidéos. Je débute dans le domaine, je suis nouveau, je fais des erreurs, c'est sûr, mais j'apprécie beaucoup que vous visionniez, j'apprécie beaucoup aussi les commentaires que je reçois sur Discord. Pour mes vidéos. C'est très apprécié. Je vous remercie beaucoup. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. À la prochaine.